Les fleurs sont pour la reine, elles viennent de mon jardin et j'essaierai de lui donner, mais ça risque d'être compliqué. C'est un événement qui est pour moi assez important, qui se passe pas tous les jours et je trouvais ça intéressant de venir le voir aujourd'hui. Bah, je pense qu'on est sur une passation quand même entre la reine qui nous a quittés et là le roi, donc c'est important de pouvoir marquer en fait comme un lien qui se poursuit. Je me suis dit que c'était l'occasion d'accueillir le roi et la reine en France pour leur premier voyage en tant que couple royal. La reine était quand même très investie dans la relation avec la France. Elle est venue plusieurs fois, même auparavant, on a eu beaucoup de figures emblématiques de la royauté britannique qui sont venues. Donc c'est important, je pense, de montrer que le lien n'est pas coupé et que voilà, c'est le début d'un nouveau chapitre et d'une nouvelle histoire et on verra vers où ça peut nous mener. Je pense qu'il a besoin d'encouragement. C'est difficile de passer après The Queen. Et donc, c'est pas un rôle facile à remplir. Donc, je pense qu'il a besoin de tous les encouragements qu'on puisse lui donner. C'est agréable de témoigner de l'amitié franco-britannique, qu'il soit accueilli comme un roi sur les Champs-Élysées, après à le palais de Versailles, qui sera ça, après tout, recevoir des rois, des chefs d'État importants. Donc, ça me fait très plaisir. C'est émouvant parce que c'est quand même un roi qu'on connaît depuis longtemps, même s'il a été sacré il y a peu de temps. Et j'ai justement vu le sacre et c'était tellement, tellement beau que de le voir en vrai, je suis très contente d'être là, vraiment. J'ai assisté aux funérailles de sa mère en Écosse, donc c'était un peu dans la continuité ici de le voir directement à Paris. C'est impressionnant, il est passé juste devant nous, il est sorti de la voiture juste au moment où il passait devant nous, donc on a pu lui faire signe et à la reine aussi dans la voiture derrière, donc c'est très sympa. J'aime beaucoup suivre l'actualité de la famille royale, donc pour moi c'était vraiment concret de les voir et c'était aussi très impressionnant de voir le président passer avec aussi toute la garde républicaine, merci. Non, j'ai pas pu donner les fleurs, mais c'est pas grave, je les ai vues et c'était un beau moment et il faisait beau. Je trouve ça super chouette parce que pour avoir été beaucoup de fois à Londres et jamais avoir croisé personne de la famille royale, ça fait plaisir de les voir quand ils viennent nous voir à Paris.